bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte du mode zombie de Call of Duty MW3 2023, le remaster bien évidemment. J'ai pris du temps avant de vouloir faire cette découverte, une découverte en live d'ailleurs, mais c'est une vidéo que vous allez voir donc dans un instant. J'ai découvert ce fameux mode qui, après y avoir joué, en fait c'est un mode qui mélange le mode zombie de Black Ops, enfin de Treyarch de manière générale, et qui mélange le mode survie de Modern Warfare 3 par exemple, tu vois. C'est un, ils ont mélangé tous les trucs de Call of qui fonctionnaient pour refaire un truc qui fonctionne moins. Voilà, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous allez en penser en commentaire de ce mode de jeu. Moi, c'était la première et dernière fois que je ferais ça parce que ça m'intéresse, mais alors vraiment pas du tout pour le coup. Mais c'est de la régalade quand même. Donc voilà, n'oubliez pas le like. Bon visionnage. On peut changer les... Ah d'accord, c'est soit indirect, soit chasseur de trésors. Et en fait, il y a différents niveaux de défis. D'accord. En fait, faut quand même tous les faire. Ok, à chaque fois, tu peux relancer le zombie et changer de mission. Ah ok, superbe. Alors, recrutez n'importe quel opérateur débloqué dans votre équipe d'assaut. Remplissez votre sac à dos d'acquisition qui vous seront utiles. Et choisissez une arme principale et une arme secondaire. Ok. En fait, à chaque fois, je pense que tu vas jouer et à chaque fois, ça va débloquer des... Alors, tout le monde doit connaître. Hein. Moi, je ne connais pas, je découvre, donc je fais des hypothèses pour le moment, mais d'accord, ok. C'est ça ce que je reproche, c'est que vraiment, à l'époque... Ah, ça y est, ça marche. Vraiment, à l'époque, Call of, tu pouvais y jouer sans Internet. Voilà, c'était le solo, c'était du solo. Alors que là, même pour faire du solo, t'es sur un serveur. Par définition, t'es sur un serveur. Là, si tu me coupes Internet... Bon, au-delà du live qui coupe, mais si tu me coupes Internet, je ne peux même pas jouer en solo, là, le mode zombie, quoi. Enfin, le mode zombie. C'est vraiment ouf. Bon, donc il faut terminer des contrats, il faut s'améliorer pour progresser et il faut extraire nos acquisitions. Donc le but, c'est ça à chaque fois. Oh, c'est trop stylé. Wow, c'est flippant. Ça fait bader. C'est l'heure, soldat. Vous avez du boulot. Ok. Ouais, ça a rien à voir avec le mode zombie, évidemment, et heureusement d'ailleurs, l'unique mode zombie de Treyarch, bien évidemment. On est vraiment sur Warzone. Ici Dobbs, on va tester votre maîtrise de la carte tactique. Marquez un contrat. Une fois la mission terminée, demandez un hélico et barrez-vous d'ici. Ouais, en fait, c'est Warzone en mode zombie. Faut faire un contrat et se barrer, quoi. Ok. Alors, est-ce que tu les one-shot au corps à corps ou pas? C'est ça la question que je me pose. Ah oui, non, d'accord. Ok, bon, écoutez, c'est super. On va voir ce que ça va donner. Donc, il faut marquer un contrat et se barrer. Ouais, donc c'est vraiment la map de Warzone, quoi. Et elle est pas si grande que ça, la map de Warzone, du coup. Là, il y a une station essence. Ration d'urgence. Ok. Vous avez vu ça? Votre cible a laissé tomber une sacoche de munitions. Récupérez-les pour recharger automatiquement vos armes. Certains locaux de la ZE sont sacrément coriaces. Tout ce qui vous permet de continuer à plomber vos cibles est une bonne chose. Ok. Bon, y a pas d'histoire de manche ou je sais pas quoi. On a un fusil à pompe, on a une charge pénétrante. Mais ça me sert à rien. Ça me sert à rien puisque j'ai déjà ma classe. Et attendez, expérience. Si je vais dans l'eau, il va dans l'eau ou pas? Ah ah! J'ai trouvé une faille! Ça mélange entre Verdansk et Almazra selon moi, mais j'ai pas encore tout vu à quoi ça ressemblait. C'est ridicule. Ah, les fans de zombies, ça doit faire bizarre. Série d'élimination ennemie active. C'est quoi ça? Ok, équipe d'assaut, on s'apprête à larguer le décontaminateur. Bonne chasse. Oh, la voix, elle est bien faite. Ok. Donc il faut que j'escorte. Votre mission consiste à escorter le décontaminateur pendant qu'il élimine les vortex de la zone. Allez, que le spectacle comme... je veux dire, démarrer le décontaminateur. Initialisation du système en cours, patientez. Vortex identifié, en route. Vous devez à tout prix protéger le décontaminateur, quitte à y laisser votre vie. Enfin, bon,
et éviter de mourir quand même. T'inquiète mon ref. Munition max. Munition max. Sérieux, ils ont osé le dire? Ils ont osé plagier mais ils ont, ouais, bon après ils ont les droits, c'est Call of, mais l'escape doit rester à proximité du véhicule. Ah ok. Ah je pensais pas qu'ils allaient dire munition max, tu vois. Ça m'a choqué. Moi qui suis très fan de Treyarch. C'est vrai que ça fait bizarre. Wesh. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux même pas recharger en courant. Oh non. Laissez mon tank. Le décontaminateur se dirige vers un autre vortex. Ne vous éloignez pas et protégez-le. Pourquoi il veut pas mettre de plaque? Ah voilà. Attends, je vais changer d'arme. Ouais, donc ils ont vraiment plagié le zombie de Treyarch, mais alors ça, mais super. Et ils pensaient que ça ferait plaisir à la communauté? Ah, on peut se mettre dessus. Excellent. Fallait me le dire plus tôt. Si je mets une clé mort dessus, c'est parce quoi? Ok, donc en fait c'est pour décontaminer ces trucs là, d'accord, ok. Dégagez! Y'a rien à voir! Dégagez! Eh, en plus, je suis safe là-haut, non? Attends, faut que je récupère des trucs quand même. Faut que je récupère les plaques. Il y a un petit côté effrayant, mais c'est pas effrayant, c'est juste stressant, mais... Ah ! Mais ça n'a rien à voir avec le... Ah, on a déjà fait 100 éliminations, tu vois. Allez, ça dégage la racaille. Bah là, je suis mort. Les échantillons sont prêts au transport. On est sûr de gagner des données massives. Je prépare le matériel pour le retour. Vous y êtes presque. Oh, c'est un bordel. Ne bougez pas. Oh non, 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 il va mourir mon tank. Arrêtez. Il subit des dégâts. Oh non. Oh non. Bon sang, ces échantillons me fourniront une quantité extraordinaire de données. Je vais les cacher pendant des jours. Avec un peu de chance, on en tirera des informations utiles. Bon travail. Wesh la dinguerie! Faille de récompense. Kit d'autoréa. Mode de munitions putréfaction. Du coup j'ai réussi le contrat je pense. En fait faut faire le maximum de défis. Et dans 35 minutes faut s'effiltrer. C'est génial.
C'est vraiment superbe. Difficulté 2. Ok, plus tu rentres, plus c'est dur. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, plus tu rentres, plus c'est dur, oui, alors forcément. Attends, il y a d'autres joueurs dans la partie? Mais il y a d'autres joueurs dans la partie MDR! Eh, mais je savais pas du tout! Ok, il y a plein d'autres joueurs dans la partie, mais on est ensemble en fait. Contrat accepté, récupérer et transférer. Les équipements de Barrera remplissent leur mission. Il nous faut ces données pour planifier une attaque. Ok. Donc, récupérer les données des réfracteurs. L'image sismique est essentielle à mes recherches. Vous n'imaginez pas tout ce qui se passe sous nos pieds en ce moment même. Ok. Ah! Oh là 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 là. Eh, mais c'est déjà trop chaud le niveau 2 là. Ils sont en train d'attaquer mon truc là. Non, c'est bon. Attendez, 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 attendez. Oh non, oh non, oh non. Ok. Il va où lui? What? J'ai pas compris. J'ai pas compris où il s'est barré le zombie. Ok, faut aller au suivant alors. Ah d'accord. Ah! Wesh. Et par contre les chiens de l'enfer. Genre. Frappe de précision, ok. Et ça fait trop peur. En vrai, j'avoue, ça fait peur, mais ça fait pas la même peur que... Tu vois ce que je veux dire? Et merci à la frappe. Par contre, j'arrive pas à recharger. Mais il va où, lui? Kaboom. Putain, ils ont vraiment repris tout, tout, tout jusqu'au bout, quoi. Bon. Allez, le dernier. Je suis pas sûr de comprendre ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Allez. De recevoir ces données sismiques. Rejoignez le transmetteur et faites-le transmettre. Oh, ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds. Attends, j'ai une idée, j'ai une série là, j'ai une... Enfin, pas une série, mais j'ai une... Lancez la transmission, vite. Obtention de lien en cours. Ah, c'est ça qu'il faut que je protège. Attention, les mercenaires arrivent sur votre position, ils sont prêts à en découdre. Les mercenaires? Mais non. Y'a pas que des zombies là? Y'a aussi des mercenaires? Vous foutez pas un peu de ma gueule là? Ils ont mélangé le zombie de Black Ops avec le mode survie de MW. Mais c'est ça en fait. Ils ont mélangé deux modes de jeu. Au secours. Mais ils font trop mal. Ils font trop mal aussi là. Mouvement à l'est. On bat les couilles. Oh putain. Quelle angoisse. C'est ma dernière autoréa hein. Après c'est l'échec. Non mais vous avez vu combien ils sont? Adieu. Bah je peux rien faire. Je peux rien faire. Et je vais mourir parce que personne va me réanimer. Oh, je l'ai tué. Hop là, les bijoux de famille, pareil. Bon bah je suis mort. Alors je pourrais appeler à l'aide mais personne va venir parce que regardez où je suis. Et regardez où sont les autres joueurs. Là,
là, voilà, donc un petit peu loin quand même. Hein. Donc adieu. C'est la fin pour WAM, c'est ciao. Mais c'est ça, ils ont mélangé les deux modes de jeu, quoi.